Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors, comme vous l'avez pu le constater, sur l'Opel, il y a un problème. Le problème c'est quoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. Le problème c'est ça, cette espèce de merde de silencieux d'origine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer tout ça. Allez, je lève la voiture et je vous montre ce qu'on va lui mettre à la place. Alors, on va lui monter ça. Alors, on m'a filé ça, silencieux, qui était monté sur une Golf Mazout. Donc, on va jouer de la soudure et de la meuleuse. Vous allez voir mes grands talents de soudeur, incroyables. Allez, je démonte ça, c'est parti. La bête est démontée. Vous voyez, on va avoir un souci de longueur. Très important la longueur, demande à ta femme. Alors, on va aligner à peu près les sorties. Pour pas que ça dépasse de trop du pare-choc. Je pense que là, on est pas mal. Prendre 2-3 mesures et ça sera pas trop mal. Allez, je prends des mesures et je vous reprends. Bon alors les amis, problème technique. Un problème qu'on n'est pas, mais il va falloir que je démonte cette merde d'attelage, parce que sinon je pourrais pas mettre le nouveau silencieux. Donc je vais pas vous faire chier que ça. Je démonte. Et après on attaque la découpe du silencieux d'origine. Allez go. Attelage démonté, on va attaquer la découpe du pot. Let's go. Ouais, c'est parti, je vais attaquer le découpage. Alors évidemment, pour ce genre de travaux, il faut toujours s'équiper. Les gants, meuleuse, le gaz. Le gaz, on va peut-être pas le laisser à côté. On n'est pas fou non plus. Ah oui, c'est le bordel, j'ai pas eu le temps de ranger. Et surtout l'indispensable pour bien travailler, le t-shirt de beauf. Voilà, ça, parfait pour travailler. Ça évite de céder les affaires qui coûtent cher, quoi. Non, je rigole, je sais qu'il y en a plein qui suivent. Allez, j'attaque. Alors, je pense clairement que ce silencieux-là, il avait un gros souci, écoutez. Putain, mais on va pas l'entendre, ce con. C'est cuit, c'est cuit. Allez, on va attaquer les mesures. Thank you.
Bon, je crois que celui-là a été rentabilisé et j'en ai plus. Alors comme ça, on a gagné. Allez, je file en chercher et on reprend tout à l'heure. Bon, avant, on va peut-être s'amuser un coup. On va démarrer sans silencieux pour voir ce que ça donne. Oui, ça peut être beau à voir. Attendez, je fais gaffe, j'ai les fils d'attelage qui sont coupés là. Hop. Alors non, je vais pas aller me promener comme ça. Putain, en vrai, ça fait pas un bruit. Putain, mais ça a chier ces bagnoles là. Alors, je crois qu'il va falloir mettre une ligne complète. Bon, on va déjà mettre le silencieux. Et puis, si ça me gave, on vire tout. Cata, intermédiaire, tout. Allez, chercher des disques et on continue. Et hop, ça s'est acheté, la Dexter. Là, mon pote, ça va couper. Là, mon copain, là, ça va y aller. Regardez-moi ça, le beau panneau. Quand même, nouvelle enseigne. Ouah, c'est beau! Allez, c'est parti. On va couper ça. Allez, c'est reparti. Non, mais pourquoi il n'y a pas de carter sur ta meuleuse? On fout. Pas besoin, c'est pour les pelés. Je vois rien. J'ai récupéré évidemment les supports pour pouvoir remettre d'origine, que ça soit propre quand même. Ça, pas de choix, pour le récupérer. Et ça, pourquoi je l'ai coupé? Tout simplement parce que l'autre silencieux il est trop court. Donc ce tube là, il va me servir de rallonge. Alors oui, ça va faire des soudures et des soudures, mais bon, vous allez voir, je suis un pro de la soudure. Ça devrait être propre, normalement. Allez, on va voir ce que ça donne sur la bagnole. C'est parti. Ah non, avant, on va couper les supports sur le silencieux tuning. Hop, allez, direction sous la voiture. On va essayer de vous poser par là. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon. Peu youtubeur. Oh là, est-ce qu'il va y aller? J'en sais rien. Oh putain. Con. Il a manqué des centimètres. C'est trop court. T'as jamais dit ça à ta femme? Chérie, c'est trop court. Ouais, on va rallonger tout ça. Alors les aléas des chantiers, voilà. La meuleuse est cassée là. Putain de merde. Mais je répare ça.
Bon allez, tout est coupé. On va aller présenter la bête. On peut lui mettre, je vais pointer les supports. Et on va voir ce que ça donne. Bon, je peux vous montrer en dessous, ça sert à rien. Je vous montre une fois que c'est pointé. Bon, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, quand on soude, on débranche la batterie. Les EPI. Ah non, j'ai pas de masque et je m'en fous. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Bon alors, après plusieurs soudures qui allaient pas du tout, j'ai décidé de le faire comme ça, donc il est calé. Et je vais souder mes supports directement sur la voiture. Donc là on est à peu près droit, à peine, il va falloir qu'il relève un peu. Vous voyez, il y a un peu de travers. Donc j'aligne tout ça, je soude et on voit ce que ça donne. Bon alors j'ai mesuré, coupé, soudé, bon, mais par comment dire, ouais, pour pas que nos amis soudeurs fassent de cauchemars, ce sera la seule image des soudures que vous aurez. Oh putain de merde. Ça c'est de la grande soudure. Non, bon en vrai c'est étanche. Et j'ai plus de gaz. Du coup je soude sans gaz. Avec du fil acier. Bon, c'est pas top. J'essaie de faire au mieux. Je sais que c'est pas beau, mais ça tient et ça devrait être étanche. Allez, je finis ça, je nettoie et je vous montre le final. Bon, voilà les amis. Donc après plusieurs démontages, remontages, rassemblages, c'est fini. Alors ouais, encore une fois, je n'ai pas les soudures. C'est pas mon métier. Mais bon, c'est ajusté, il n'y a pas de fuite. Bon allez, je mets tout ça. Un coup de peinture, on remonte,
Je vous passe tout ça, ça sert à rien. Je vous reprends une fois que c'est remonté. Bon, étant donné que j'étais quand même qu'à moitié serein de mes soudures, bon, même si ça paraît étanche, j'ai mis, regardez, c'est beau. Tout bon Jackie qui se respecte met du mastic. Ah, c'est du mastic échappement, évidemment. Allez, on va lui mettre un coup de peinture et on remonte. Bon, allez, le mastic est sec. On va attaquer la peinture. Peinture de chez Action, évidemment. Par contre, j'ai trouvé ça chez Action. Clairement, c'est plutôt pas mal, rien. C'est plutôt pas mal. On va clipser ça. Oh putain. Normalement, on vient clipser ça. Putain. Il n'y a pas que ça va pas sur cela. Ouais, alors voilà ce que je vous disais. On vient clipser le pistolet sur la bombe. C'est plutôt pas mal. Allez, on secoue. Et c'est parti. Tout neuf le silo bloc carrément. Hop, je te retourne, Thérèse. Allez, je remonte. Bon, allez, les amis, verdict. Je viens de la mettre en route. Ça change absolument rien à l'origine. Ça ronronne un peu. Ouais. C'est vraiment pas ouf. On est en dessous, par contre, voilà. C'est propre. Enfin, c'est propre. Si on fait comme ça, c'est propre. Non, en vrai, ça va. Ben, je redescends. Et on voit ce que ça donne. Bon, c'est à peu près centré aussi, hein, mais. De loin, de travers, c'est à peu près centré. C'est plutôt bien centré. Non, vous trouvez pas? Ouais, j'arrête. A tout de suite. Voilà les amis, bon, vidéo sans grand intérêt, mais ça me faisait plaisir de vous filmer, enfin plaisir, non. Je trouve ça intéressant, voilà, un petit peu de tuning sur l'Opel. Alors à savoir que c'est une vidéo divertissement, pour les soudures et tout, voilà. C'était du vite fait, bien fait, c'est pas mon métier après. Donc voilà, allez, n'hésitez pas à vous abonner, ciao.